Yo tout le monde, c'est Bafien, on se retrouve pour le match de 16ème de finale dans le tournoi de Razas à 48p entre China et Zar de la 9ème. China y a choisi la Bactrie et Zar à Carthage. Donc on va regarder les compos vite fait. Côté Bactrien, devant il y a une ligne de 4 piquiers Lino. C'est quoi ça? Bretter Lino sur les flancs. Hoplitalino avec Bretter Lino pareil de l'autre côté. Hoplitalino, Bretter Lino, ok. Un Peltast juste devant, des Peltast Bactriens derrière, un éléphant d'or en armure, deux gardes royales bactriennes, et sur les ailes on a Hoplitalino soutenu par un Bretter Alino, cave royale bactrienne, noble cave bactrienne et cataphracte alénique, et de l'autre côté, pareil je suppose, Hoplitalino, Bretter Alino, cave royale bactrienne, cataphracte alénique et noble cavalerie bactrienne. Du côté de Carthage, on a sur les flancs Bataillon Sacré et Hoplite Libyen Moderne avec Scutari Mercenaire, la cave c'est Carthaginoise Campanienne Campanienne, une Mercenaire Ibérique en plus, de l'autre côté Carthaginoise Campanienne Campanienne avec Bataillon Sacré, Hoplite Libyen Moderne et Scutari, donc c'est la même chose sur les flancs, devant on a des archers Crétois, 3 Crétois, les autres tireurs c'est 4 Pelles. Bien, oui. Infanterie de mêlée, il y a infanterie libyenne, 4 infanteries libyennes et 3 nobles combattants, et un éléphant de guerre africain. Donc, regardez comment ça se passe, juste en bas du côté de Shinai. Alors, direct ça part sur les flancs, on avance les groupes de cave. Le centre avance aussi. Je le trouve un peu trop dispersé, China. A voir si Zar en profitera ou pas. Bon, de toute façon, là, ça marche, ouais. C'est bon. Pas l'air d'avoir trop de lag. C'est quoi dans le chat? Allez, ouf. Ok. Donc, on va attendre que ça s'engage un peu. C'est quoi qui bouge au fond? Les éléphants qui vont partir sur un flanc apparemment. La cave continue de se placer. Bon. La cave à droite redéborde encore. Elle va même très très loin. De l'autre côté, ça m'a l'air pareil. Oui, c'est ça. Alors. Le centre de Shinai avance aussi. Ah, ça y est. Il y a le bloc carthaginois qui s'avance. Ça a l'air de courir, oui, ça court. C'est bon. Le bloc bactrien est en train de suivre. Alors, les premiers tirs vont arriver, normalement. Pas bientôt. Alors, tire ou tire pas. Tire, c'est bon. Sur le Peltast. Ou pas sur le Peltast, apparemment. Ah, c'est ça, tout part sur le Peltast. Attention, gros rush bactrien. Alors que ses ailes sont pas en place, c'est dommage. Ah, il s'arrête juste devant. Il y a une cave qui est en train de passer. Va-t-elle choper les tireurs? Après tout, c'est une mercenaire ibérique qui s'est un peu fait pour. Il y a un piqué. Attention. Voilà, dans la phalange qui n'est pas arrêtée. De ce côté-là, ça s'engage. La cavalerie est partie chasser, je ne sais pas quoi. Un Hoplitalino, ça c'est pas malin. Hein. Au centre, la cave ibérique a failli partir en route, mais elle est restée. Enfin, ils sont plus que 20. Les tirs qui continuent de pleuvoir sur l'éléphant. L'éléphant qui n'est pas fou encore. De l'autre côté, là-bas, ça ne bouge pas. Tout le monde est sur le combat ici, campanienne contre cataphracte alénique, et ici une cave carthaginoise, Hoplitalino et Hoplite Libyen Moderne. Ici, il y a un bataillon sacré qui ne fait rien, ça c'est dommage.
nobles combattants mercenaires qui vont je ne sais pas où, au centre ça s'engage. Les piquis avancent, les boiteurs passent sur les flancs. Ok, où est l'éléphant? L'éléphant est là, ça va, les peltas sont en train d'approcher. La cave campanienne et ces deux campaniennes, oui, les deux campaniennes passent dans le dans un petit trou. Ici, on a un hôpitalino qui lâche, un bretterino qui lâche et un bretterino qui lâche. Ici, c'est le carthaginois moderne qui lâche avec la cave qui était ici, une cave carthaginoise. Ici, un noble combattant qui est en train de poursuivre une noble cavalerie. Moi, je n'ai aucune idée de pourquoi. Ici, on s'est fait choper la cave par des hôpitalinos qui ont fait un seul kill. Trois kills, bon, bah, voilà. Charge dans le dos du petit bretterino, bien joué. Ici, on a un peltast qui est au corps à corps avec des piquiers. La cave est en train de contourner sur ce flanc. De ce côté-ci, c'est gagné pour l'Égypte. Le Carthaginois, pardon, excusez-moi, mais par contre, faudra pas oublier de s'occuper de ces dernières unités, Cataphractionique et Cavalier Bactrine, qui sont quand même bien nombreuses. Et l'Hoplite est bien aussi. Il y a une cave qui revient de ce côté-ci. Ça continue de contourner sur la droite, le centre. Les Peltasts font le taf, les nobles combattants arrivent dans la mêlée. Je sais pas s'ils arrivent sur les piquets ou s'ils arrivent dans les Peltasts. La cave passe, elle va prendre quoi? Le piquet? Apparemment, prendre piquet. Ensuite, l'infanterie. C'est quoi qui est en train de partir? Les Peltasts. Où sont les Crétois? Il y a un Crétois ici, un Crétois ici. L'éléphant est fou. Ils sont toujours 18 par contre. Donc, à voir où il va taper, à mon avis, là-dedans. Voilà. De ce côté-ci, les éléphants arrivent dans le garde royal bactrienne. La cave revient. Ici, on a un bataillon sacré contre des hôpitalinos et de la cavalerie bactrienne. De l'autre côté, il y a de la cave qui est venue taper dans les archers crétois, bien joué. Ici, les bretterellinos sont contre les scutari mercenaires et les hôpitaliens modernes, plus les cataphractaires et les hôpitalinos. Ça se passe plutôt bien de ce côté-ci pour la Bactrie. Ici, il y a une cave et un noble combattant embourbé dans un piquet. Il faudrait les sortir, taper sur le côté, ou je sais pas, casser la phalange. Ici, les éléphants sont fous, mais continuent à taper. Cave campanienne et infanterie viennent. Je suis pas sûr que ça tienne. Ici, à mon avis, c'est la Bactrie qui gagne. De ce côté-là, il y a un hôpitalino contre un bâton sacré, donc normalement le bâton sacré gagne. Ici il y a une cave qui ne fait rien. Là-bas il y a une cave campanienne qui a été oubliée. Il en reste 30. Ce serait bien de les ramener. C'est tendu, hein. Franchement, là il y a des marteaux en plume qui peuvent partir avec cette cavalerie. Ici il y en a un qui est parti sur l'infanterie libyenne. Le piquiolino lâche, l'éléphant qui est toujours à 18. Alors qu'il n'y a plus d'unité de tir carthaginoise, donc à mon avis la batterie va gagner. Faut voir, mais je pense que la batterie est mieux partie que Carthage. De ce côté-ci, l'éléphant de guerre africain n'est pas tombé non plus, ils sont toujours 18. Bon, il est fou, bah, ils sont plus que 14 et ils viennent de prendre très très cher. Une charge dans le dos, garde royale bactrienne, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. D'engager une cave dans des. Ouais, c'est bon, la cave se retire, elle va venir taper les frondeurs ou les piquiers, je ne sais pas trop. Ici, on a un noble combattant en contre de la noble cavalerie. De ce côté-ci, l'autre Raza bataillon sacré connecté. qui essaie de retenir un peu tout ce qu'il peut. L'infanterie de Bien pas en déroute, les scutari mercenaires se reforment. Ici, toujours des combats entre Plitalino et bataillon sacré. Pas d'unité qui ont l'air d'être oubliées, toujours la cave campanienne au fond qui ne sert à rien. C'est dommage. Ici, le scutari mercenaire s'est reformé, ça n'a pas été vu. Les crétois sont toujours là, l'éléphant est toujours 18, l'éléphant africain est à 12. Ouais, la cave dans le. Les campaniennes dans la. Ça, c'est pas bien. C'est quoi qui s'enfuit? Une noble cavalerie bactérienne, à mon avis, et celle-là va se reformer. Alors de ce côté-ci, on a une noble cavalerie bactrienne qui va tenter d'arrêter l'éléphant, ils sont plus que 6. Ici, il y a un noble combattant qui fait rien alors qu'il pourrait grandement aller aider dans ce combat-là. Ça c'est dommage, il s'est fait choper par une cavalerie.
Ici, c'est quoi qui tient? Les nobles combattants, mais ils vont pas tenir longtemps avec l'éléphant. L'éléphant charge, les frondeurs va se ramener dans ce combat-là. C'est tendu, hein. Franchement. Ici, le bataillon sacré a perdu contre les Hôpitaux, mais après, ils étaient moins nombreux. C'est sûrement pour ça. Les unités reviennent, la cave campanienne qui avait été oubliée très longtemps revient. C'est pas joué encore. Ils sont combien d'éléphants? 16. Ça va être très très dur de faire tomber cet éléphant bactrien, je pense. Il reste 12 éléphants carthaginois. Les nobles combattants s'en vont. C'est dommage. Ici, les nobles combattants vont taper les bretteurs aliens et vont les défoncer. Bactrie toujours gagnant. Bactrie va gagner même. Il y a l'infanterie de Gun qui s'est reformée, mais avec ce qui traîne autour. La cave campanienne. Cave campanienne. Donc là, c'est au choix. Soit il essaye vraiment de finir les unités, soit il envoie les campaniennes sur l'éléphant pour le décimer. Pas vraiment 40 solutions, apparemment il veut se débarrasser de ce pool ici. Pendant que de ce côté-là, les éléphants tiennent contre la cavalerie bactrienne et les bretteurs alino. Enfin, ils tiennent vite fait, il est encore d'en perdre un. La campanienne vient encore dans le dos, sa marteau en plume, l'éléphant bactrien arrive dans le tas et là, ça va se finir, je pense. La cave campanienne ici, me fait... ouais, c'est bon, on bouge. C'est temps. Les bretteurs alino tiennent compte de la campagne. C'est dommage, il fallait l'envoyer ici. Bon, bah, victoire de la Bactrie. Ce qui va faire un 0 pour Shinai. À voir ce qu'ils vont nous choisir. Juste après GG ou en tout cas, on va se retrouver tout de suite pour le tableau des scores. Alors. Tableau de score, s'il vous plaît. Alors, déploiement sensiblement identique, les pertes, ça se voit aussi. Alors, du côté de Bactrie, éléphant, les cataphractaires, c'est pas mal, noble, ça c'est bien pour une noble cave bactrienne, ici, une noble cavalerie bactrienne, pas mal aussi. Les peltasts, ça va, c'est bon, mais ça va. Il y a un batteur limo qui s'en sort beaucoup mieux que les autres. Ici, 94, c'est bien, 3 et 19, c'est vraiment pas génial, mais... J'ai dû se prendre des nobles combattants, je pense. Garwell Bactrienne 51-32. Ici, un Hôpitalino 139, ça c'est vraiment bien. 71 aussi, c'est pas mal. Bon, 50, ça va. L'Épiquialino, pas génial, par un 89. De l'autre côté, la Campanienne 1 à 183, sinon les autres ont pas été rentabilisés. L'éléphant très très bien rentabilisé. Les Crétois, ça va, les Peltas, ça va, un bataillon sacré, sans en, c'est très bien, l'autre, c'est pas génial, les Hôpitaux, bon, c'est pas top, mais après, c'est une unité de merde, l'infanterie libyenne, il y en a trois qui sont plus de 110 kills, c'est vraiment bien, les nobles combattants, 170, ça va, 98 et 107, ça va, enfin, c'est moyen, mais ça va, et un Scutari mercenaire, 103, ça, c'est vraiment bien. Darkax officier déconnecté.